Voilà comment on met la tenue. C'est facile. Le noir, c'est devant. Donc on met ça comme un t-shirt. Hein. D'accord. Voilà. D'accord. D'accord. Et on peut respirer. À ton avis, Claudia. Bah oui, sinon il y a voilà. Et ensuite, on met les gants. D'accord. Ces apprentis apiculteurs découvrent avec étonnement leur tenue réglementaire. Quelques minutes plus tard, chacun est fin prêt et s'approche un peu intimidé de la ruche. Bon, alors je vais ouvrir la ruche, hein, et je vais les enfumer. Les enfants, bien sûr, sont toujours un peu inquiets au début, hein, ils ont peur de se faire piquer. Et puis, passer les craintes du début, après, ben, ça relève un petit peu... de la performance, quoi. Ils ont vaincu leur peur. Et puis les questions qui reviennent souvent, ben, c'est les différences par rapport aux frelons, aux guêpes, c'est un peu tout ça, quoi. Beaucoup de curiosité sur la façon dont elles vivent, elles se reproduisent. Un atelier apiculture proposé dans le cadre de l'opération Les Portes du Temps, destiné depuis 7 ans à ouvrir les sites du ministère de la Culture aux enfants des zones prioritaires. C'est permettre aux enfants, précisément, de pouvoir accéder à des lieux dans lesquels ils ne vont pas. C'est leur permettre de rentrer à l'intérieur de ces maisons qui les intimident et qu'ils ne connaissent pas. Moi, souvent, j'ai des enfants de Trappes ou d'ailleurs. Lorsqu'ils arrivent au musée, ils me disent « Est-ce que j'ai le droit d'entrer ?» Ah oui. Et moi, je leur dis « Vous avez le droit d'entrer, ce musée, il est pour vous. » Les Portes du Temps ont lieu à chaque vacances d'été. Pour le seul mois de juillet, ils sont environ 2000 enfants à découvrir Port-Royal des Champs et le XVIIe siècle.